Bon ben voilà, pas de confetti à un mariage, on fait avec les moyens du bord, voilà. Oh ben, parfait ça comme confetti. Hein, Maza ? Tu leur jettes dans la gueule, là, comme ça, marié, le top. Et puis, hey, histoire de faire vraiment des économies, voilà les bagues, tu les as là. Pas besoin d'une machine avec des diamants, etc. Ça suffit largement et en plus t'en as plusieurs de rechange. Au cas où tu trompes ta femme et tu le... Enfin, voilà, au cas où tu perds ta bague. Eh oui. Alors moi, évidemment, j'ai pris à ma taille, hein, bien sûr, tu vois. Parce que j'ai des petits doigts. Alors, j'ai pris à ma taille, forcément. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tiens, Ria, tes belles petites boîtes à lettres. T'offres une petite boîte à lettres pour le mariage. Ah oui, parce que maintenant qu'ils sont mariés, ils vont vivre ensemble. Alors, une petite boîte à lettres pour qu'ils reçoivent du courrier, mettons. Plus c'est bientôt Noël, tout ça, toi. T'écris une petite lettre au Père Noël, on sait pas, des fois. Il a aimé ta lettre, il te renvoie une réponse, t'as compris? Puis ça, c'est bien, mettons. Un petit escabeau, là, comme ça. On sait pas, des fois, t'as pas de chaise ni rien. Ah, tu prends un escabeau. C'est aussi bien, des fois. C'est quoi que t'as dit? Une petite roue pour jouer à la roue de la fortune. Je sais pas c'est qui est prêt d'être millionnaire avec cette roue. Et puis si t'as pas assez de lever, bah t'achètes une roulette. Tu vois, c'est une roulette de la fortune. Bah oui. Ah puis là maintenant tu vois, avec tous les machins là, gilets jaunes, tout ça là, et ben mettons, t'as des ceintures de sécurité en jaune. Tu vois, c'est pour tous ceux qui veulent faire les gilets jaunes, mettons. Mais ils ont une ceinture noire, alors t'as vu, ça cache un peu le jaune. Et là ça le cache pas. Voilà. Et puis moi, je te conseille aussi, c'est d'acheter un petit panier. Tu vois, comme ça, là. Tu sais, mettons, petit panier, tu le retournes. Voilà, ça te fait une table. Tu vois, je veux te dire. Et admettons, tu viens d'emménager. T'as la télé, tout ça. Faut bien des piles pour ta télécommande. Alors voilà, tu te prends des petites piles, surtout. C'est important. Un truc qui est incroyable. Mais tu vois, là, on est en hiver. Alors, c'est quoi qui est important en hiver? Chauffage. T'as compris? C'est en hiver, c'est un bas de chauffage. Et tu meurs du froid, là, t'as compris? Et là, et tout glacé, on dirait Jack Dawson, Titanic, t'as compris? Eh oui, c'est important. Bon, puis voilà, pour finir, je vais vous emmener dans mon rayon préféré, t'as vu? Parce que, bon, tout le monde sait, mais non, je suis un voyageur, moi, tu vois? Alors, moi, ce que je préfère comme rayon, c'est celui-là, tu vois? Ça, c'est le rayon du cuivre. Ah, pour un voyageur, c'est de l'or en barre. Ça se revend, terrible. Tu liaves tout ça, là. Bon, tu renvoies ça au chiffonnier, mon cousin. T'en as pour 4-5 kilos, là. On a tout de suite pour 20-30 euros. 20-30 euros la fin du mois. Terrible, mon cousin. Et des fois que tu veux faire la fête, t'oublies pas ces petits ballons quand même. Tu vois? Pour décorer un peu, parce qu'au début, t'as pas trop de lever. Alors, tu décores avec les moyens du bord. T'as pas de plantes, t'achètes des ballons. Les gitans, toujours. Toujours les gitans. Genre on est des voleurs. Ah le cliché.